J'ai acheté un frigo hanté. Tout a commencé quand un abonné m'a envoyé un message sur Instagram avec juste un lien. Un message un peu étrange au premier abord, mais j'ai quand même décidé de cliquer dessus. Et là, une annonce sur Le Bon Coin pour un objet étrange. J'appelle le propriétaire de l'appareil et il me le confirme. Apparemment, des aliments disparaissent de ce réfrigérateur. En tant qu'expert en paranormal, j'ai tout de suite décidé d'aller chercher. Ok les gars, le frigo est là. Est-ce que c'est vraiment un frigo hanté? Je ne sais pas. Et quand je dis hanté, je ne parle pas de la lettre T. Je ne parle pas de sachet de tisane. Bref, vous connaissez la suite, manoir hanté. En tout cas, on va essayer de le sortir. On va le mettre ici. Apparemment, il y a des aliments qui disparaissent à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une termite? Non, ça c'est un genre de petit papillon. On ne sait pas. On va voir. Je vais tout simplement sortir le frigo pour tester. Ok frère, il pèse une tonne. Le souci, c'est qu'il n'y a personne pour m'aider. Non mais attends Olivier, on va voir ça au montage sinon. Ah ouais, vas-y. Mec, ça a vraiment marché, on est dans le futur. Mais comment t'as... Mais attends, ça veut dire que tu peux nous emmener à la fin de la vidéo directement peut-être? Oh. Ah mais non, mais attends, ce serait trop dommage, on manquerait toute la vidéo si on fait ça. Ok, c'est pas grave, on repart à partir d'ici. On a ce frigo qui apparemment est hanté. Déjà, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a absolument rien, il y a même pas les plaques. Mec, il y a plus le thermostat. C'est pas grave, j'ai des plaques de mon ancien frigo. On va mettre une plaque, on va poser un truc dessus. On va voir si ça disparaît tout simplement. C'est parti. Première chose quand on a un frigo magique, mettre une plaque à l'intérieur. La plaque est en plaque, en place. Maintenant, on va tester avec... Oh, le Red Bull. Je vais le placer inside the frigo et on va voir si la canette disparaît. Tu filmes? Ouais, c'est bon. Ok, attention. Tu sais, peut-être qu'il est genre timide. On la ferme, on le laisse faire son truc. On fait semblant qu'on fait autre chose. Toi, ça va, t'aimes bien le foot en ce moment? C'est quoi ton genre préféré? Ok, elle est toujours là. Ça a pas du tout fonctionné. Oh, mec, le nain de jardin. Le nain de jardin, Red Bull, ça dégage. Nain de jardin, on va le placer ici. Je vais fermer la porte cette fois-ci, je vais rester devant. On va la réouvrir cash. T'es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Je comprends pas parce qu'en plus, les nains de jardin, c'est censé être un truc un petit peu maudit, bizarre. Donc ça match avec frigo hanté. Vas-y, ça me saoule. C'est quoi? On va foutre n'importe quoi à l'intérieur et on va voir si ça fonctionne. Ma chaussure. Ok, la chaussure, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Oh, frère! En fait, il faut peut-être mettre des aliments, tout simplement. Et ça tombe bien parce que j'ai toujours un ficello dans ma poche. Ficello, si vous voulez me sponsoriser ou faire une OP, je suis chaud. Je vais la poser là. C'est bon, là, tu vois, comme ça? Il est bien, le ficello, hein, il est beau. Attention, on ferme. Ok. Là, je t'avoue que j'ai plus d'idées. Ah, attends, le frigo, il est branché. Donc, pour le brancher, il faut de l'électricité. Donc, du jus. Donc, le jus de justice, c'est que... Ah, il me faut un avocat, frère! Mon avocatier. On va poser l'avocat juste là, comme ça. Avocat, frigo magique, une cinquième, action. Frère, ça commence à me saouler de malade. En fait, le frigo, il m'a donné faim. Ah, j'ai envie d'un hot dog. Viens, on va se faire un hot dog. Je suis un peu dégoûté. Je pense que ça va nous requinquer de manger un petit truc. Et attends, je vais t'expliquer quelque chose, viens voir. En fait, ce que je me dis... C'est que ça peut pas toujours marcher, tu vois, de faire des vidéos. Même vous, les abonnés, vous voyez, des fois, on commande des trucs sur le Darknet, ça fait du contenu. Mais des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Et là, en ce moment, ça fonctionne pas. Tu veux à quoi ton hot dog? Avec une saucisse? Oui, mais quoi comme sauce? Avec du ketchup. Ok, j'ai pas de ketchup, on va te mettre la moutarde, ça va? D'accord. En fait, ce que je te disais, c'est que genre, des fois, le Darknet, c'est hyper cool, et même les gens qui nous donnent des trucs soi-disant hantés. Mais en fait, moi, je réponds à plein d'annonces sur Instagram. D'ailleurs, merci les gars. Des fois, vous m'envoyez des trucs trop cool sur Insta, ça fait trop plaisir. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Des fois, il y a aussi des gens qui me disent de la merde. Là, j'ai acheté ce frigo au moins 3 millions d'euros, et finalement, le frigo, il est pas hanté, tu vois. Il y a toujours ces petites languettes sur les trucs de sauce. Est-ce que vous aussi, ça vous saoule de devoir enlever le capuchon pour devoir enlever cette languette? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, c'est très important. Et ça pourrait peut-être changer ma vie plus tard. Ok, je te mets un petit peu de moutarde. Tu me dis stop, ça marche? Mais mec, attends, ton hot dog, là, il me donne une inspiration de malade. Peut-être que c'est un truc qu'il faut que je cuisine, qu'il faut que je mette dans le frigo pour que ça disparaisse. Parce que là, tous les trucs qu'on a mis, c'était... pas de moi. Et justement les gars, ça tombe très bien parce que quand je dois cuisiner rapidement alors que j'ai pas le time, il y a HelloFresh qui nous accompagne justement pour cette vidéo. Wow. Et ce qui est génial, c'est qu'avec HelloFresh, tu peux commander un menu sur mesure pour toute ta semaine. Et ça, directement sur leur application mobile ou sur le site internet. Alors, c'est que des recettes saines et délicieuses et toujours en Nutri-Score A ou B. Donc, c'est vraiment quali, les gars. C'est vraiment frais, c'est vraiment naturel. Regardez cet oignon. Il y a tout de végie, familial, recettes du monde, rapido, calories smart, poissons et légumes. En fait, c'est hyper varié. Avec une priorité aux ingrédients d'origine France. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Mais je te vois venir, petit coquin. Tu vas me dire que tu ne sais pas cuisiner. Eh ben, moi aussi, je ne suis pas un chef. Et pourtant, avec HelloFresh, ce n'est pas la peine d'être le Cyril Lignac de Poitou-Charentes. Il t'envoie des fiches recettes ou alors tu as l'application mobile avec toutes les étapes pour faire ton petit plat délicieux. L'abonnement, il est 100% flexible. Tu peux mettre en pause ou désactiver ton abonnement quand tu veux. Ou même modifier les portions de tes plats. Parce que HelloFresh, c'est aussi anti-gaspillage. Et certifié plus durable parce que les quantités livrées sont pile poil faites pour toi.
Et voilà les gars, c'est tout beau, tout chaud, le wrap est là, la recette s'est très bien passée. Je vais juste prendre un tout petit bout pour le goûter. Et il faut que j'en laisse pour le frigo après aussi, bien sûr. Oh cool. Donc pas mal. Juste un petit bout. En vrai, c'est trop bon. Ah, la qualité. Bon bah les gars, il y en a plus. On va retourner au frigo. On va le faire avec le hot dog. C'est trop bon. Tous les trucs que j'ai mis dans le frigo, c'était des trucs que j'ai achetés, que j'ai pas cuisinés. Ça, je l'ai fait avec la prunelle de mon cou, tu vois. Si le hot dog, avec la magie de ma cuisine et de mon super pain avec ta super moutarde... Ok mec, on va mettre le petit chien chaud à l'intérieur du frigo tout froid. On va le poser juste là. Mais attends frère. Attends, j'avais pas mis un avocat juste avant là, dans le frigo? Il y avait pas l'avocat frère? L'avocat il a disparu, on est d'accord? C'est quoi ce délire? Mais mec, attends, ça veut dire que ça fonctionne? Ça veut dire que ça a vraiment marché là? Ok, alors attends, parce que l'avocat, quand on l'a posé, on était loin. Je vais faire le même truc d'avant avec le joueur de foot où on a pris un petit peu recul. On va refaire pareil avec le hot dog. Pour l'instant, on va pas le brusquer ni rien. On va refermer la porte. Viens, suis-moi. On va prendre un petit peu de recul et ça tombe bien parce que je vais demander aux abonnés de me dire quel est votre joueur de foot préféré. Et si vous aimez pas le foot, c'est pas grave, dites en commentaire que vous aimez pas le foot. Ok, dans 3 secondes, on court vers le frigo, ok? T'es prêt? 3, 2, 1, go! Ok, donc là, normalement, le hot dog... Yes! Mec, ça a fonctionné, il y a plus... Mais attends, il n'y a même plus la plaque! Attends, ça veut dire que ce frigo est vraiment magique? Frère, c'est pas possible. C'est le propriétaire qui ferait une blague. Si ça se trouve, il nous a suivis en voiture et vient piquer les trucs pendant que je regarde pas. Attends, j'ai une idée. On va faire un truc. Je vais mettre une caméra de vidéosurveillance. On va filmer le frigo. Vu qu'on a vu que j'avais pas besoin de les préparer, il faut juste s'éloigner du frigo. On va mettre une caméra, on va s'éloigner et on va aller au fond de cette affaire. C'est parti. Normalement, la caméra de surveillance... Ok. Caméra de surveillance, il me faut le pied pour la mettre la caméra de surveillance dessus. Non, c'est le pied qui vient sur la caméra. Non, c'est l'inverse, ouais, c'est ça. Ok, est-ce que tu peux arrêter de me suivre partout où je vais? Je vais t'en parler tout à l'heure. À chaque fois, je vais quelque... Ah, mais tu filmes, c'est pour la vidéo. C'est pour YouTube. C'est bon, tu peux venir. Oh mec, tu te rappelles cet élément qu'on a utilisé pour la pêche à l'aimant? Allez voir la vidéo, elle est cool en vrai. Mais what the fuck? Mais what the fuck? C'est une putain Attends, de renard. Tu viens de sortir ça de l'eau là? Toi, mec, tu penses que c'est le propriétaire qui nous fait une farce? Ou tu penses que genre... Ah, la vidéo de la voiture, tu te rappelles? En forêt, elle m'avait roulé dessus. Oh, allez voir la vidéo, elle est aussi très très cool. Oh, j'ai failli tomber. C'est pas le pied cette histoire. Bon, la GoPro, elle va filmer juste là, le frigo. Ok. Cool. J'ai plus qu'à chercher la moutarde, on va la mettre dans le frigo et on va voir si elle disparaît. Ok, la moutarde, cool. On va la remettre à la même place que le hot dog et l'avocat. J'avais pas pensé à ça. On va chercher une plaque. Bonsoir, vous êtes le vendeur de plaques? Merci. On va mettre la plaque juste ici, là, comme ça, dans ce sens-là. Ce sera parfait. La plaque est en place. On va mettre la moutarde juste dessus. On ferme le frigo. Et cette fois-ci, maintenant que la caméra est en place, on va aller s'installer au poste d'observation. D'ailleurs, c'est trop speed. Ok les gars, là on a les images de la caméra de vidéosurveillance en direct qui filme la cour avec le frigo. S'il se passe quelque chose, je serai bien assez tôt. Bon, j'en profite en attendant pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à la chaîne et qui n'activent pas la petite cloche. Donc si vous voulez être prévenu pour les prochaines vidéos les gars, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Pour l'instant il n'y a rien. En fait, je comprends pas le délire de genre, il y a des trucs qui ont disparu dans le frigo. C'est quelqu'un qui vient, vous pensez? C'est ça qui me fait flipper, c'est que quelqu'un rentre chez moi, le gars qui me l'a vendu, si c'est lui qui vient dans ma propriété pour voler les aliments, c'est... Les gars! Quoi? Attends, mais c'est un hot dog? Attends, il y a un hot dog qui vient de sortir... Attends, mais je rêve? Mais c'est quoi ce délire? Il vient de prendre la moutarde? Mais mec, il me prend... C'est un hot dog? Ok, il est retourné en frigo. Faut que j'aille voir ça. Mais mec! Mais gros! Mais attends, je... Attends, il y a un hot dog qui est sorti, qui a... Attends, il y a un hot dog qui est arrivé. Mais frère, il m'a volé ma moutarde. Mais attends, mais gros, ça veut dire que ça marche vraiment? Ok, j'ai une idée de malade. En fait, j'ai l'impression que ça fonctionne que quand il y a une seule entité. Tu retournes au poste d'observation et tu me regardes sur les images. Et moi, je rentre dans le frigo. T'es sûr, Olivier? Je suis sûr à 100%, mon gars, ça a marché. Vas-y, go, 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 go. T'es sûr, Olivier? Ouais, ouais, vas-y.
vois rien, il y a trop de lumière ici. Mec, t'es là? Mais c'est quoi ce délire? On est où là? Frère, c'est quoi? Mais mec, elles sont là les plaques du frigo! C'est quoi ce délire? Attends, je comprends pas là. Mec, on est où? Attends, mais. Y'a rien? C'est quoi cette lumière? Comment on est arrivé ici, mec? C'est quoi ce délire? Mais mec, c'est le frigo qui était chez WAM! C'est le même frigo, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je suis passé avant toi. Donc mon truc, ça fonctionne. C'est une entité à la fois, comme je t'ai dit. Attends, mais mec, c'est des plaques que j'ai ajoutées au frigo. Tu te rappelles, il n'y en avait pas, je les avais rajoutées. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans le frigo, ça atterrit ici. Mais dans ce cas, oui, il est où l'avocat, le hot dog, la moutarde? Attends, mais je comprends pas, là. C'est peut-être un problème avec le thermostat. Mais c'est vraiment le même frigo, mec, c'est celui-là. Mais il est débranché. Alors comment il peut fonctionner? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a le fil terre dedans. Le fil de terre. Mais je comprends pas là, je comprends pas, il y a un truc, ça s'ouvre. Comment on peut rentrer là-dedans? Comment on a pu rentrer là-dedans tous les deux? Je m'y connais pas trop en frigo, ni en moteur de frigo, mais apparemment tout a l'air normal. Bon, ok, gros mystère là, attends, il y a un frigo, il y a moi, il y a des champs, il y a un monde parallèle, il y a toi, il y a ta caméra, il y a les abonnés, il y a les abonnés qui mettent un like sur la vidéo, il y a les gens qui ne sont pas encore abonnés qui vont s'abonner, il y a ceux qui ont déjà été abonnés, qui sont réabonnés, qui vont se réabonner par la suite. Attends, on est rentré dans le frigo, on est ressorti ici. Donc peut-être que si on repart en reverse. Aïe! Bon, ça fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est que ce monde vaste est bien impressionnant. Et pourtant, j'ai l'habitude du paranormal. Ah, je me suis fait mal au doigt. Coupe. Bon, on va explorer. Parce que si déjà on est là, si déjà on n'a rien à faire, si déjà il y a des choses magiques dans notre monde qui nous permettent de passer un monde où je suis tranquille chez moi à... Je sais pas où. Je sais pas, y a rien du tout. Y a des arbres, y a des plantes, y a des hérissons. Non, j'ai pas vu de hérissons, mais j'aimerais bien en voir un. Tu crois qu'il y a des hérissons? Je sais pas, Olivier. C'est pas grave. On va essayer de retrouver les aliments, okay. On explore un petit peu le monde, si ça se trouve, ils sont pas très loin. Attends, ok, on va essayer de reprendre nos esprits. Imagine la situation. Il y a une dame un jour qui a acheté ce frigo. Elle a acheté des yaourts. Elle a renversé les yaourts dans le frigo. Ça a coulé sur le thermostat. Ça a fait un genre de dégénérence. Une fois, j'avais vu ça dans un reportage sur l'Égypte antique. Je comprends pas comment c'est possible. Comment un univers parallèle peut être créé ici? Attends. Mais si on est à l'intérieur du frigo, si le monde dans lequel on est, c'est l'intérieur du frigo et que tout arrive ici, les aliments et tout, ça veut dire que tout se mange ici? Ah, un pissenlit, c'est le dernier de la saison. Non, ça se mange pas, non. Mais attends, peut-être que ça se mange. Ça ressemble à du Nesquik, mec. Tu sais, le Nesquik qui... Non, je vais peut-être pas tenter. Vas-y, on continue. On est où, là? Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans le monde du frigo? Enfin, à part toi, du coup. Je cherche la civilisation. Je me dis, si ça se trouve, c'est des choses qui se passent depuis les Égyptiens et tout machin. J'ai un problème avec l'Égypte antique, je sais pas pourquoi j'arrête pas de répéter l'Égypte antique. J'ai l'impression qu'il y a jamais personne dans mes vidéos. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes avant nous qui sont passées à travers le frigo. Donc on va peut-être retrouver des gens, tu vois ce que je veux dire? Mais si ça se trouve, je vais me retrouver avec tous les propriétaires de ce frigo qui sont tous là, quelque part, perdus dans ce monde hanté. Mais est-ce que le bon coin est au courant, tu penses? Est-ce que c'est le bon coin qui a organisé toute cette supercherie? J'ai quoi dans ma poche? Un autre pissenlit. Ça se mange toujours pas. En fait, je suis d'accord pour être dans un monde de frigo, mais alors s'il y a des trucs à bouffer, parce que là, il n'y a rien. Et je crève. Mec! Mais attends, c'est ma bouffe! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mec, cours! Cours! Comment je fais pour me retrouver toujours dans cette situation? J'ai jamais aimé la moutarde de toute façon! Dépêche-toi, mec! Mec! Attends, mais il s'est passé quoi là? Mec! Attends, c'était quoi ce monde où on était là? Ok mec, alors regarde bien ce frigo parce que c'est la dernière fois que tu le vois. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Non! Yeah. Ok. Yeah. C'est le son du frigo. Yeah. J'ai ouvert la porte de la téléportation vers tous les condiments, les légumes et le poisson. Si ta mère est chaude, je peux peut-être la refroidir. Avec un vieux frigo, j'ai pu construire mon empire. Dans le frigo,
Il y a même du lait. Il fait pas très chaud. Il y a même du taboulé. Dans le frigo. J'ai plus de rime en haie. Il fait pas très chaud. Bon ben, qu'une idée. Dans ce nouveau monde, j'ai pu voir des choses bizarres. Comme de la sauce moutarde qui me voulait la bagarre. Avant qu'on continue, j'aimerais juste qu'on fasse le point. Car c'est la dernière fois que j'achète sur le bon coin. Dans le frigo. Il y a même une tomate. Il fait pas très chaud. Et un genre de radis. Dans ça c'est du clafoutis. Ça je sais pas. Mon congélateur est mille fois mieux que le tien, ouais. Mon congélateur est mille fois mieux que le tien, ouais. Mon congélateur est mille fois mieux que le tien, ouais. Mon congélateur va au moins jusqu'à moins 5 degrés. Merci HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code promo UT85 pour avoir 85 euros de réduction sur les 4 premières boxes.